bien mes petites poulettes. J'espère que vous allez bien. Le retour du Dr Boys. Salut mes petits poulets et mes petites poulettes. Voilà, c'est parti. Le premier épisode du Dr Boys. Je suis désolé, je viens de faire mon intro là. C'est, c'est n'importe quoi. Bon, j'enlève les lunettes, je les garde. Bon, c'est le docteur, on les garde. Voilà, hop, on est magnifique, on est beau. Voilà mes petits poulets, le principe pour ceux qui ne connaissent pas, je suis là sur la chaîne, c'est la communauté qui compte en premier, et donc si je peux vous aider un tout petit peu, eh bien c'est ici que ça se passe. Dans les commentaires, mes amis, n'hésitez pas à me poser toutes les questions, tous vos petits soucis, bien entendu pas trop ordre médical parce que je ne suis pas un vrai docteur. Mais tous vos petits problèmes, tous vos petits soucis du quotidien, que ça soit le harcèlement, les arnaques, oui, parce qu'il y a tous vos problèmes, quoi. Les problèmes de cœur, d'amour, d'amitié, enfin voilà, tous les petits soucis dans les commentaires, vous me mettez un petit message, et puis le prochain épisode, bah, je répondrai à quelques petites questions. Voilà mes petits poulets. Sinon, oui, évidemment, il y en aura certains qui n'auront peut-être pas envie d'être vus, de savoir qui c'est, machin et tout. Je suis prêt à garder l'anonymat de chacun de vous. Il n'y a pas de problème. Donc pour ça, il y a mes réseaux sociaux. Tout est dans la description de ma chaîne. Hein, vous savez très bien, tous mes réseaux sociaux. Vous m'ajoutez, vous m'envoyez un message en privé. Et puis comme ça, je pourrai facilement vous répondre en vidéo en cachant votre identité. Voilà mes petits poulets. Déjà, merci à mon abonné sur ma dernière vidéo que j'avais faite sur l'anorexie. Merci pour tous vos commentaires. Franchement, merci à tous. Voilà. Merci. C'était top. Et du coup, ça m'a reboosté pour lancer le projet Dr Bruce. Donc, n'hésitez pas, les gars, dans la barre des commentaires, vous me mettez tous vos petits problèmes, tous vos petits tracas, tous vos petits soucis, et puis je ferai du mieux que je puisse pour vous répondre. Voilà mes petits poulets. Je commence un peu à avoir chaud là, avec cette petite blouse et puis hein, ce petit truc sur la. C'est quoi ça? C'est un stéthoscope? Oui, c'est un stéthoscope. C'est ça. Attendez. Vous allez bien, les gars? Est-ce que vous allez bien? Respirez à fond. Respirez à fond, les gars. Respirez à fond. J'entends rien. Faut mettre des pouces. Sinon, je n'entendrai rien. Putain, je suis en train de craquer, les gars. Bon, je ne vais pas faire une grosse vidéo longue. Je pense que c'est la vidéo qui va annoncer tous les épisodes qui vont se suivre. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Sachez que je vais essayer de répondre le plus possible et au mieux possible à vos questions, et j'essaierai aussi de faire un petit tuto à la fin sur les premiers gestes de secours, parce que ça va faire 20 ans que je suis secouriste, j'étais bénévole à la Croix-Rouge française, quand j'étais militaire j'ai fait aussi du secourisme, et puis bah, dans la sécurité privée je suis toujours secouriste, donc bon, ça va faire bientôt 20 ans, ouais, ça fait 19 ans, depuis que j'ai mes 16 ans que je fais du secourisme, donc je ferai première étape, je répondrai à vos questions, et puis à la fin, la dernière étape, ça sera petit tuto secourisme. Les brûlures, les PLS, ça vous savez me mettre en PLS, hein, il y en a certains qui savent me mettre en PLS. Et puis voilà quoi, tout ça, quoi, les premiers gestes qui sauvent. Je pense que c'est très utile à savoir. J'ai une communauté très jeune, même pas forcément les plus jeunes, mais même les plus vieux, vous serez intéressés. Tout ce qui est étouffement, les méthodes Emlich, tout ça, je pense que ça pourrait vraiment vous servir. Et pourquoi pas vous faire des petits tutos. En plus, j'ai de quoi pouvoir faire des vidéos, j'ai des mannequins, j'ai tout ça. Enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on fera ça en deux séquences sur la vidéo. Voilà, vos questions plus le petit tuto secourisme. Mais aujourd'hui, c'était juste pour lancer ma vidéo Dr Bruce, donc on va rester juste comme ça. Et puis voilà, sinon, bah, petit sujet vite fait comme ça, les arnaques au V-Buck, les gars. Parce qu'évidemment, j'ai une grosse communauté Fortnite, donc les arnaques au V-Buck, attention les gars. Epic Games sont super chauds là-dessus. On ne peut pas avoir des V-Buck gratuits, les gars. C'est impossible d'avoir des V-Buck gratuits. Epic Games, c'est une société qui brasse des millions, voire des milliards, donc ils font en sorte que
vous ne puissiez pas avoir des bugs gratuits. Ce serait beaucoup trop simple. Donc, tous les sites qui vous annoncent, oui, télécharge une appli, télécharge machin, tout ça, ceci, cela, déjà, ne faites pas ça, ne téléchargez pas, ça ne sert à rien, vous n'aurez pas de V-Bucks, les gars, vous n'aurez rien du tout. En fait, c'est juste des applications pour récupérer vos données, toutes vos données, en fait, nom, prénom, adresse, mail, tout ça. Et après, vous aurez que de la pub, que de la merde, et des 01 qui vous appelleront, et voilà, c'est que de la merde. Donc, ne faites surtout pas ça, les gars. Alors, ne donnez pas vos cartes, numéros de carte bancaire, hein, bien sûr. Parce que qui dit V-Bucks gratuit, je ne vois pas pourquoi on devrait donner notre numéro de carte bancaire, hein, les gars. C'est surtout pour les plus jeunes ou les plus crédules que je dis ça, parce que, y en a beaucoup qui sont à voir tous les jours. J'ai encore eu cette semaine encore un message d'un abonné qui, pendant qu'il jouait à Fortnite, dans son chat de jeu, il y avait des gamins qui ont réussi à avoir un gamin, un gosse, avec la carte bancaire, je crois, ou avec le téléphone, parce qu'aussi on peut avoir avec le numéro de téléphone, il y a des petits malins, ils arrivent à choper, parce que vous savez qu'on peut payer avec le téléphone. Donc ils ont réussi à choper de l'argent comme ça. Donc mon abonné a réussi à faire en sorte de prévenir la maman et tout ça. Mais les gars, on ne peut pas avoir de V-Bucks gratuitement, c'est pas possible, il faut mettre de l'argent. Epic Games sont pas cons, ils vont pas laisser faire tout ça. Ce ne sont que des sites à arnaque. Donc surtout, ne faites pas ça. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez des V-Bucks, quitte à mettre de l'argent, vous achetez Sauver le Monde. Grâce à Sauver le Monde, ça coûte quoi? 20 balles, Sauver le Monde? 20 euros. Allez, pour 20 euros, vous achetez Sauver le Monde. Vous rincez Sauver le Monde et toutes les semaines vous avez des V-Bucks gratuits. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. En plus, au tout début, c'est là où vous en avez le plus. Moi, j'ai Sauver le Monde. Tous les jours, je me connecte. Il y a des petits défis quotidiens. Il faut juste se connecter. Tu te connectes tous les jours et chaque semaine, c'est 100, 150, 300 V-Bucks qui tombent. Moi, c'est comme ça que j'arrive à avoir mes V-Bucks. Moi, je mets pratiquement pas d'argent dans Fortnite. J'ai dû mettre 100, 150 euros dans Fortnite en tout depuis les 2 ans. Mais voilà, c'est en achetant les passes de combat et c'est tout, quoi. Et quelques skins comme le skin poulet, mais sinon je n'achète rien, je dépense pas trop d'argent. Moi, c'est grâce au V-Bucks de Sauver le Monde. Voilà la petite astuce. 20 euros, vous dépensez 20 euros dans Sauver le Monde. Maintenant, je crois que même qu'il est à moins cher. Et là, vous avez plein de V-Bucks. Plein de V-Bucks. Mais en tout cas, n'allez pas sur ces sites frauduleux, c'est de l'arnaque, signalez-les. Et surtout, n'y allez pas, n'y allez pas. Alors là, tous les sites où ils vous disent free V-Bucks, n'y allez pas. Même sur YouTube, hein, free V-Bucks, V-Bucks gratuit, c'est de la daube, c'est de la couille, les gars, c'est de la merde. N'y allez surtout pas. Parce que là, ça ne sert vraiment à rien. Vous allez vous faire avoir plus qu'autre chose. Et puis voilà. Et puis je pense aux petits jeunes qui n'ont pas de carte bancaire. N'oubliez pas que l'argent qui est récupéré, c'est l'argent de vos parents. Donc je pense pas que vos parents ils seraient contents. Voilà, moi je suis papa. J'espère que dans 10 ans, mon fils, bon, Fortin, il sera sûrement mort d'ici 10 ans, mais j'ai pas envie que je reçoive une facture 300 euros. Hein, 300 euros de V-Bucks. Quoi? T'as acheté 300 euros de V-Bucks? Mais ça va pas ou quoi? Mais t'es malade! Non, c'est pas possible. Donc voilà, bon, c'était juste le petit sujet, les arnaques au V-Bucks. Bien sûr, dans Dr. Bruce, il y aura d'autres sujets. Il n'y aura pas que les arnaques. Je compte sur vous pour jouer le jeu. Allez-y, allez-y, mettez-moi plein de commentaires. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez rester anonyme, les messages privés sur les réseaux sociaux. Vous allez sur ma chaîne, il y a tout dans à propos, dans la description de ma chaîne, il y a tous les réseaux sociaux, vous m'ajoutez, il n'y a pas de problème. Et puis vous resterez anonyme. Voilà mes petits poulets. Bon, je vais faire une vidéo de moins de 10 minutes, ou 10 minutes pour la monétisation. On peut parler un petit peu? Non. Voilà, donc lâchez-moi un petit pouce, mes petits poulets. Ça me fait super plaisir de pouvoir vous aider. Franchement, enfin voilà, je suis le papa de la chaîne. Si je peux vous aider, c'est avec grand plaisir que je le ferai. En tout cas, j'espère que je vous fais toujours rire avec mes conneries. Moi, ça me fait super marrer de faire le con pour vous. Et puis voilà, si ça peut vous détendre, vous changer les idées, vous aider, et moi, je suis preneur, je suis là. Donc, pensez à mettre un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez pas sur des lives, hein. Bien sûr, les gars, vous partagez sur Facebook, sur Twitter, Insta, tout ce que vous voulez, mais surtout pas sur des lives parce que je me fais insulter après pour les pubs de live. Vous savez très bien que moi, quand je live, tous ceux qui font de la pub de live on banne et après ça égo les insultes. Donc, vous pouvez partager, mais pas sur YouTube. Voilà mes petits poulets. Du coup, on est à 9 minutes 30, on va rester pour la monétisation évidemment. Comme ça, vous allez vous taper une petite pub. Quel bâtard! Bon voilà, bon, en tout cas mes petits poulets, moi ça me fait super plaisir, moi je suis content de vous aider, et puis voilà, c'est comme ça, on est là pour le délire, et puis voilà,
Allez, je compte sur vous dans la barre des commentaires. Mettez surtout un petit pouce, c'est important pour le référencement. Et puis voilà, plus il y aura de pouces, plus je pourrai aider de personnes. Et plus il y aura de commentaires, plus j'aiderai de personnes. Voilà. N'oubliez pas le type. Le type, pareil, ça rentre bien dans le docteur Bruce. Le type, c'est pour les associations. Une pub regardée égale 4 centimes. 4 centimes. Donc, bah, plus vous regarderez de pub, plus on pourra faire de dons aux associations, comme je l'ai fait pour les enfants malades du cancer et la SPA. On pourra même choisir d'autres associations, il n'y a pas de souci. Voilà, la vidéo Dr Bruce est lancée. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, peut-être à samedi, mais c'est pas sûr. En tout cas, activez la petite cloche. Je vous dis à tous bonne soirée, bonne journée, ça dépendra à quelle heure vous verrez cette vidéo. En tout cas, merci à vous. Franchement, la chaîne, ça monte, ça monte, ça monte, c'est le top. Continuez comme ça, s'il vous plaît. Restez comme vous êtes. Je vous aime fort. Gros bisous.